Bonjour à toi, jeune apprenti des mathématiques. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment poser une addition quand on ne peut pas la faire de tête. Mais cette fois-ci, on va voir comment utiliser les retenues. Pour cela, on va commencer par regarder le calcul 28 plus 15. On commence par écrire les deux nombres l'un au-dessus de l'autre, en prenant bien soin d'aligner les chiffres avec les unités à droite, puis les dizaines comme cela. On additionne les unités, 8 plus 5, on obtient 13. On met alors le 3 dans la ligne du résultat, sous les unités, et on note le 1 des dizaines en retenue au-dessus de la colonne suivante, comme ceci. On passe ensuite aux dizaines, sans oublier la retenue. 2 plus 1 égale 3, plus la retenue qui nous donne 4. Le résultat de 28 plus 15 est donc 43. Fastoche, non? Essayons maintenant avec un nouveau calcul. 98 plus 56. On pose notre calcul. D'abord les unités. 8 plus 6 égale 14. Je mets donc 4 dans la colonne des unités et je retiens 1. Ensuite, les dizaines. 9 plus 5 égale 14, plus la retenue, donc 15. Comme il n'y a plus de chiffres à gauche des dizaines, j'écris directement 15 dans la ligne du résultat, comme ceci. Le résultat obtenu pour 98 plus 56 est donc 154. Et voilà, tu sais comment poser une addition avec des retenues. Maintenant, c'est ton tour de t'entraîner. Je vais te donner 4 additions à poser. Mets la vidéo sur pause, le temps de faire tes calculs, et reviens quand tu auras trouvé tous les résultats pour avoir la correction. 37 plus 45, 56 plus 28, 82 plus 29, et enfin 264 plus 359. Voici les résultats. 37 plus 45 égale 82. 56 plus 28 égale 84. 82 plus 29 égale 111. Et 264 plus 359 égale 623. Et voilà, tu sais tout sur les additions. Maintenant, c'est ton tour de t'entraîner. Demande à tes parents de te faire des additions que tu pourras calculer en les posant. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur les cosmopérations. Au revoir !